إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Donc on continue بإذن الله عز وجل وبعون الله سبحانه L'explication en langue française du livre intitulé A'lam Sunnati al-Mansura, I'tiqadi al-Ta'ifati al-Najiyati al-Mansura, le Cheikh Al-Allama Hafir Ibn Ahmed al-Hakami, Rahimahullah Ta'ala. On s'arrêtait à la question numéro 212. Donc on a vu dans les questions précédentes l'ordre qu'il y a eu par rapport au califat en islam. Et on a vu que cet ordre-là correspondait aux sahaba qui ont été désignés du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant les meilleurs. Et le meilleur d'entre eux, bien entendu, Abu Bakr. Et on a vu les preuves concrètes par rapport à cela. Ensuite Omar, ensuite Othman, et ensuite Ali. Ces sahaba, ils ont été les meilleurs parmi les sahaba, et ceci bien entendu dans l'ordre qu'on a cité. Et donc ils ont été les plus en droit pour obtenir et pour qu'ils soient investis donc du calife. C'est pour ça que Abu Bakr, il était le premier calife en islam après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite est venu Omar, et ensuite est venu Othman, et ensuite est venu Ali. Et après Ali, bien entendu, il y a eu une divergence parmi les musulmans, et on sait que durant 6 mois, et c'est donc ces 6 mois où le califat a été dans les mains Al-Hassan ibn Ali radiallahu ta'ala anhuma, donc durant une période de 6 mois, et cette période de 6 mois a complété donc les 30 années que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué dans le hadith authentique de Safina, comme quoi al-khilafat al-nubuwa, c'est-à-dire donc le califat qui est sur la voie prophétique, serait de 30 années. Et bien entendu, on sait qu'ensuite al-Hassan radiyallahu ta'ala anhu, il a délaissé tanazala, c'est-à-dire donc il a délaissé ce hukm pour Muawiyah, afin donc qu'il évite une fitna, une guerre. C'est pour ça donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'avait vu dans le hadith précédent, et c'est bien entendu ça fait partie de al-nubuwa, ça fait partie bien entendu de la prophétie, de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc nous a informé, que al-Hassan, il allait tout simplement être la cause donc d'un accord entre deux grands groupes parmi les musulmans. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, inna ibni hadha sayyidun wa sayuslihu Allahu bihi bayna fi'atayn 'azimatayn min al-muslimin. Et ensuite il est venu Muawiyah, et qui était en réalité le premier roi en islam. Donc al-khilafa s'est ensuite transformé en mulk, et c'était donc le premier Muawiyah, ça a donc été le premier roi en islam, et qui fut bien entendu le meilleur des rois radiyallahu ta'ala anhu. Ensuite on avait vu donc les preuves de cela de façon générale. Et le Shir, rahmatullah alayhi, il va ensuite donc nous donner les preuves
بالتفاصيل, c'est-à-dire va nous donner les preuves en détail de ce qui est le caractère légiféré du khilafa, c'est-à-dire donc du califat, de ces quatre hommes, de ces quatre grands hommes, les meilleurs de cette communauté, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il nous dit la question numéro 212. نعم ما الدليل على خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما إجمالا نعم. Donc il va d'abord nous poser la question, le shir, quelle est donc la preuve de la légitimité du califat d'Abu Bakr et de Omar de manière générale. Taïb, donc on est encore ici de façon générale. Auparavant la question qui a précédé c'était de façon générale pour ce qui était des quatre califes, et maintenant ça va être un peu plus général pour ce qui est des deux califes. Pourquoi cela et pourquoi cette question? Parce que tout simplement il va ensuite rapporter, le shir rahmatullah alayh, un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va nous prouver donc qu'il y aura bel et bien le califat, non seulement de Abu Bakr dans ce hadith, mais également de Omar. Donc ici on voit bien que ici Jam ben al-Ithnain, c'est-à-dire qu'il y a ici un rassemblement des deux califes pour ce qui est donc de leur légitimité. Et ensuite le shir à la question qui va suivre, il nous posera donc la question uniquement pour Abu Bakr, et ensuite pour Omar, et ensuite pour Othman, et ensuite pour Ali. Et il nous rapportera donc les dalils, les preuves donc de la sunnah pour ce qui est donc de leur khalifa. Donc il va nous apporter des preuves, le shir. Et on sait que de toute manière, et ça c'est quelque chose qui rentre donc dans les preuves de façon générale, c'est que, et c'est ce qu'il y a de plus fort comme nous l'avait cité le shir, c'est que pour ces quatre califes, et dans l'ordre dont ils ont été cités, et dont ils ont été investis donc du pouvoir du califat, il y a ici ijma' ahli sunnati wal jama'a. C'est donc un consensus, c'est donc un avis qui est unanime parmi les gens de la sunna, et du consensus pour citer donc cette question, pour se mettre donc d'accord sur cette question qui donc concerne le califat de ces quatre grands hommes radiallahu ta'ala anhum. Le shir donc il va nous poser une question, il va y répondre donc en rapportant un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce hadith qui se trouve en réalité fi sahihain, yaqul ala dhalika adillatun kathira, c'est-à-dire qu'il y a plus d'une seule preuve. Il y a plusieurs preuves en réalité qui prouvent cela. Et parmi celles qu'il va citer, minha ma fi sahih. Et en réalité, lorsqu'il dit fi sahih, il dit fi sahihain. Parce que c'est bel et bien un hadith qui est muttafaqun alayhi min hadith Abi Hurayrata radiallahu ta'ala anhu. Hadith rapporté par l'imam al-Bukhari. Fi fadli Abi Bakr, ba'd al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans ce chapitre. Et également l'imam Muslim, dans son authentique, dans le chapitre Fadail Omar. Ce hadith est le suivant. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بينما أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم il va nous raconter un songe qu'il a fait. Et c'est ce songe là qui est bien entendu une partie de la prophétie. Il nous dit بينما أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو. Pendant que je dormais, je me suis vu donc devant un puits. Donc, qalibin, c'est le puits. On traduit donc par le puits. C'est al-bir, al-qalib. Ensuite, al-qalibin alayha dalwun. Dalwun, c'est en réalité un récipient. On peut traduire de façon générale par le récipient. Ou qu'on peut traduire ici également par un seau. Que l'on peut traduire donc par le seau. Dalwun. Et dalwun yudhakkar wa yuannath, c'est-à-dire qu'on peut le dire au masculin, on peut le dire également au féminin, le terme donc dalwun. Fanaza'tu minha ma sha'a Allah. Ensuite il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fanaza'tu minha ma sha'a Allah, c'est-à-dire donc puis j'en ai prélevé autant qu'Allah a voulu. C'est-à-dire donc il a pris de ce seau, et il a pris ce seau le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc il l'a plongé dans le puits. Et donc il a pris donc de l'eau. فَنَزَعْتُ مِنْهَا مَا شَاءَ اللَّهُ هَذَا هُوَ الْمَقْصُودُ ici. C'est-à-dire النَّزْعُ ici بِمَعْنَى الْإِسْتِسْقَاء, et qui va bien entendu avoir une signification. Cette signification qu'on va donner ensuite, d'après l'explication que nous a donnée l'imam al-Nawawi en son authentique. ثُمَّ أَخَذَ إِبْنُ أَبِي قُحَافَ. On sait que Ibn Abi Quhafa, c'est tout simplement Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu, qui est bien entendu Ibn Uthman, ou Uthman qui est Abu Quhafa.
ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع بها ذنوبا أو ذنوبين. Ensuite donc, qui c'est qui a pris ce sceau? C'est Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فنزع بها ذنوبا أو ذنوبين. والذنوب, الذنوب, c'est tout simplement الدلو المملوء, c'est tout simplement donc le sceau ou le récipient qui va être ici rempli, qui va être donc rempli d'eau. Et ici, ذنوبان أو ذنوبين, شك من الراوي. Et comme vont nous le répéter certains des savants, dans d'autres riwaya, il va avoir en fait ذنوبان. كما ذكره الإمام النووي يقول المراد ذنوبان كما صرح به في الرواية الأخرى. في الرواية الأخرى. C'est-à-dire dans d'autres versions du hadith, il est bien précisé que c'est donc deux sceaux. والذنوب, comme on a dit, الدلو الممنوع. Et il ne faut pas confondre الذنوب بالذنوب. الذنوب qui est bien entendu le pluriel de ذنب, qui est le péché. Ici c'est الذنوب بالفتحة, فتحة على الذل, ذنوب ذنوبا. Et qui est donc, comme on l'a dit, الدلو, qui est en réalité ce récipient, donc un دلو, qui est مملوع, qui va donc ici rempli d'eau. وفي نزعه ضعف والله يغفر له ضعفه. وفي نزعه ضعف وفي نزعه ضعف والله يغفر له ضعفه. Donc dans son prélèvement, le prélèvement donc qu'il a fait Abu Bakr, il y avait une faiblesse et Allah lui pardonnera sa faiblesse. On va revenir donc sur ce que veut dire ce terme et comment l'ont expliqué les savants de la Sunna ce terme faiblesse et cette parole et Allah lui pardonnera sa faiblesse. Wallahu يغفر له ضعفه. ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب. Ensuite, يعني بمعنى استحالت, صارت وتحولت من الصغر إلى الكبار. C'est-à-dire qu'ensuite ce sceau, il s'est transformé. Il est devenu, comme il est ici cité dans le hadith, غربا. والغرب, c'est الدلو العظيمة. C'est tout simplement donc ce sceau ou ce récipient qui va être ici immense, qui va être énorme, qui va être très grand. ثم استحالت غربا. Donc il s'est transformé, qui est devenu une grande outre, qui est devenu un grand sceau. Ibn al-Khattab, donc Omar ibn al-Khattab l'a prise. Et il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme dans ce hadith, comme il nous l'explique, فأخذ ابن الخطاب فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن. Et ensuite donc, je n'ai jamais vu un homme aussi fort prélevant comme Omar. Donc Omar l'a pris. Et dans cela, il y avait donc une force. Il l'a pris donc avec force. Et le terme donc, al-Abkari, qui veut dire également le terme, ce terme-là qui est employé par le prophète sallam, falam ara abkariyan, donc al-Abkar, qui est en réalité une personne qui est forte. Une personne qui est très forte. Par rapport donc à sa force. Par rapport également à son intelligence, etc. Donc c'est ça, ma'ana al-Abkari. Et à la fin donc du hadith, حتى ضرب الناس بعطنين, حتى ضرب الناس بعطنين. يعني بمعنى العطن ici c'est en réalité le موضع الذي تساق إليه بعد السقي. C'est-à-dire donc lorsqu'on a comme des chameaux, etc. Il y a donc ce qu'on traduit donc par l'établi, ce que l'on veut traduire donc par l'établi. Et on sait donc une fois que les animaux ils ont bu donc du puits et autres, donc de l'endroit où ils s'abreuvent. Et ils étangent donc leur soif, ils vont ensuite être conduits, ils sont conduits donc à l'établi pour qu'ils se reposent. Et ici c'est le marma, c'est-à-dire donc à tel point que les gens ont étanché leur soif, d'après donc ce que Omar il a donné, ce que Omar donc il a bu et donc en ont profité ensuite les gens. Et là on va voir ensuite quelle est la signification. Al-Abqari, c'est la personne qui est forte de façon générale, pas intelligente, mais forte de façon générale, une force totale, que ce soit par rapport à ses membres, que ce soit également par rapport à son intelligence. De façon générale, c'est celui qui est fort et qui a présence sur les gens. Non. Ici, l'imam al-Nawawi, rahmatullah alayhi, va donc nous expliquer ce rêve qu'il a fait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qui est voulu donc par cette parole du prophète et par ce rêve que nous a indiqué le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il va donc dire قال العلماء, c'est-à-dire que les gens de science ils ont dit هذا المنام مثال واضح لما جرى لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما في خلافتهما. Il va donc nous dire que ce songe là, c'est un
donc un exemple. C'est donc un exemple et également une parabole qui est plus que claire par rapport à ce qui est advenu pour Abu Bakr ou Omar durant donc leur califat. Donc on voit bien ici que c'est une preuve par rapport à leur califat. C'est une preuve donc par rapport à leur califat. Le califat de Abu Bakr et ensuite de Omar. Pourquoi ? Parce que dans un premier temps, il est bel et bien cité Abu Bakr. Et qui vient donc après qui ? Après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est cité ensuite dans ce songe Omar, qui vient donc après Abu Bakr. Et bien entendu ici, c'est un songe qui est clair, comme nous l'ont dit les savants, et qui ont donc expliqué ce songe-là. Il nous dit wa husnu siratihima wa zuhuri atharihima wa intifa' an-nas bihima. Et également donc la droiture de leur vie et de leur chemin durant donc ce calife. Et également donc l'apparition de leur wa zuhuru atharihima et donc l'apparition donc de leurs traces, les traces donc qu'ils ont laissées et ce qu'ont profité donc les gens durant donc ce calife. Tout ce qu'ils ont apporté de bien aux musulmans, que ce soit les musulmans qui ont vécu durant leur calife et ceux qui vont venir ensuite, tout le khair, tout le bien donc qui a découlé de ces deux califes. Wa kullu dhalika ma'khudhu min an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa min barakati wa athari suhbatihi. Fa kana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam huwa sahib al-amr fa qama bihi akmal qiyam wa qarra qawa'id al-islam wa mahada umurahu. وأوضح أصول وفروعه ودخل الناس في دين الله أفواجا وأنزل الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم ثم توفي صلى الله عليه وسلم فخلف أبو بكر رضي الله تعالى عنه سنة وأشهر. Donc il nous dit le cheikh que ce bien qui a découlé du calife de Abu Bakr ou Omar c'est en réalité venu ma'khoud, c'est venu, ça a été pris du prophète صلى الله عليه وسلم car ils ont été à l'école prophétique, que ce soit Omar, que ce soit Abu Bakr, et bien entendu également min barakati, et de sa bénédiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc ça a été donc les traces et le résultat du fait qu'ils ont été les compagnons du prophète sallallahu et qu'ils ont appris auprès de lui tafaqahu din indahu, ils ont donc appris leur religion auprès du prophète sallallahu, ils l'ont compris donc de la meilleure façon, ils l'ont appliqué exactement comme il se devait. Et il nous dit ensuite donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'était bel et bien lui, sahibul amr, celui donc qui détenait hadal amr, amr din, donc cette religion. Et donc il l'a accompli de la meilleure ou du meilleur des accomplissements. Et qu'il a mis en place et établi qawa'id al-islam, en réalité qu'il a établi donc les bases de cette religion, de la religion de l'islam. Et qu'il a donc simplifié et qu'il a donc établi umurahu, c'est-à-dire tout ce qui va être en relation avec le din. Wa awdaha usulahu wa furu'ahu, il a mis donc en évidence pour les gens les bases de cette religion et également les branches de cette religion. Wa dakhala an-nasu fi dinillahi afwaja, et les gens bien entendu sont rentrés dans la religion par groupe, ils sont rentrés par un très grand nombre. Wa anzala Allahu ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum, et Allah azza wa jalla ensuite a fait descendre donc ce verset, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous avons parachevé pour vous donc cette religion, votre religion. Thumma tuwfiya sallallahu alayhi wa sallam, et ensuite donc le prophète est mort sallallahu alayhi wa sallam, et celui qui est venu à sa place en étant donc calife, c'était Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu, durant donc deux ans et plusieurs mois. Wa wal muradu bi qawlihi sallallahu alayhi wa sallam dhanuban aw dhanubayn, et on a vu que c'était en réalité dhanuban, c'était donc deux sceaux, et ces deux sceaux correspondent en réalité aux deux années et les quelques mois lorsqu'il était donc investi du calife, du califat, durant donc ces deux années. Et il nous dit wa hasala fi khilafati qitalu ahli ridda wa qat'i dabirihim, et qu'est-ce qui est arrivé donc durant son califat Abu Bakr, il est arrivé bien entendu le combat de ceux qui sont détournés de la religion, qui ont fait acte d'apostasie. Et donc il les a combattus comme on sait. Wa ittisa' al-islam, et on sait que l'islam durant son règne également Abu Bakr, il s'est donc élargi. C'est-à-dire les gens ils sont entrés encore plus dans l'islam, les terres de l'islam se sont agrandies. Donc c'est tout ce qui est traduit ici, c'est l'explication qui nous est donnée dans ce hadith, dans l'explication de ce hadith, fa naza'a biya dhanuban aw dhanubayn. Ensuite, il va nous dire thumma tufiya
فَخَلَفَهُ عُمَرْ. Et donc, il est mort à Bakr, et c'est Omar qui a pris donc sa place. فَاتِّسَعَ الْإِسْلَامِ فِي زَمَنِي وَتَقَرَّ لَهُمْ مِنْ أَحْكَامِ مَنْ لَمْ يَقَعْ مِثْلَهُ فَعَبَّرَ بِالْقَلِيبِ عَنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ لِمَا فِيهَا مِنَ الْمَايِ الَّذِي بِي حَيَاتٌ وَصَلَاحُهُمْ وَشَبَّهَ أَمِيرَهُمْ بِالْمُسْتَسْقِ لَهُمْ وَسَقْهُ وَقِيَامُ بِمَصَالِحِهِمْ وَتَدْبِيرُ أُمُورِهِمْ. Et également donc, il nous dit donc que durant l'époque de Omar et donc le califat de Omar, l'islam, elle s'est répandue, énormément répandue, et également les contrées de l'islam se sont élargies. Et il nous dit, il a établi donc beaucoup de lois par rapport à l'islam qui n'ont pas été auparavant. Mais lam yaqa' mithlahu, beaucoup de choses donc qui sont apparues du temps de Omar au niveau donc des lois. Fa'abbara bil qalib an amri muslimin. C'est-à-dire donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici, lorsqu'il a cité Al-Qalib dans son rêve, le songe, Al-Qalib, qu'est-ce que voulait dire Al-Qalib? Qu'est-ce que voulait dire donc ce puits dans ce songe? Ça voulait dire tout simplement Amr al-Muslimin, c'était donc l'affaire des musulmans. Lima fiha min al-ma'i alladhi bi hayatun wa salahuhum. Pourquoi? Parce qu'il y a à l'intérieur de ce puits de l'eau. Et cette eau-là va représenter en réalité la vie de ces musulmans. Et également leur droiture, wa salahuhum. Et qu'à partir de cette eau-là, ils vont pouvoir être droits et pouvoir vivre. Et également donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans, à travers ce songe là, il a fait donc ressemblance entre celui donc qui va abreuver et al-amir, c'est à dire donc celui qui va avoir le hukm. Pourquoi cela? Il nous dit le shaykh, et c'est à dire donc le fait qu'il a abreuvé les musulmans, c'est-à-dire donc qu'ils ont accompli, que ce soit Omar et avant lui Abu Bakr, ils ont donc accompli ce qui était dans l'intérêt des musulmans. Ils ont géré donc leur affaire de la meilleure donc des façons. C'est ce qui était voulu donc dans ce hadith. Ensuite, la parole qui est advenue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire dans cette parole, wa fi naz'i dha'fun wallahu yaghfiru lahu dha'fahu. C'est-à-dire que le shir va nous dire, ou l'imam al-Nawawi va nous dire dans un premier temps, c'est-à-dire tout simplement que cette parole-là, on l'a dit, que les musulmans la disent de façon générale. Ça ne veut pas dire ici qu'il y a un naqs, c'est-à-dire une faiblesse de Abu Bakr, ou alors qu'il y a eu qu'il a devenu de lui un péché, là. Parce que ce terme-là, Wallahu yaghfiru lahu, et Allah Azzawajal lui pardonne, et donc lui pardonne cette faiblesse, ça ne veut pas dire ici, Adham. Mais c'est une parole que disent tous les musulmans. Par exemple, il se peut que tu parles à une personne et tu dis, Allah yaghfiru lak, Allahu yahdik. C'est-à-dire qu'Allah Azzawajal, il te pardonne. Allah Azzawajal, il te guide, etc. Donc c'est quelque chose qui vient appuyer la parole. Une dua qui vient s'introduire. Durant la parole que l'on va dire, durant le discours que l'on va tenir, et tout simplement donc pour yudda'imuna biha al-kalam, c'est-à-dire donc ça vient appuyer la parole, on vient appuyer donc la parole que l'on dit par des du'as. L'imam Ibn Hajar, lui, rahmatullah alayh, dans son livre, dans son explication de Sahih al-Bukhari, il va nous dire également la même chose, que c'est du'a min al-mutakallim, que c'est une invocation de celui qui a parlé. Mais également, il va nous dire fihi isharatun ila qurbi wafati Abi Bakr. Il va nous dire également ici, il a une ishara, c'est-à-dire il a ici un signe qui va nous être donné. C'est en réalité qurba wafati Abi Bakr. C'est en réalité donc le temps très proche de la mort de Abu Bakr. Et pour ça, et pourquoi cela? C'est tout simplement, il va faire ici une analogie avec un verset du Coran. Que ce verset du Coran, comme nous en expliquait le Mufassirun, qui vient également nous informer, min qurbi wafati nabi sallam, c'est-à-dire il vient nous informer du temps très proche de la mort du prophète sallam. Dans ce verset que tout le monde connaît, fasabbih bihamdi rabbik wastaghfirhu innahu kana tawwaba. C'est donc lorsque Allah azza wa jalla ordonne son prophète dans cette sourate, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba, il lui ordonne donc de lui demander le pardon.
Et cela était donc ishara, c'était donc ici un signe de la mort ou du rapprochement de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme le dit Shir, fa inna isharatun ila qurbi wafati nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc de même ici, lorsqu'il a dit wallahi yaghfiruhu, également ici une ishara, comme nous explique Ibn Hajar. Donc il nous dit le Shir également, il se peut que durant le temps de Abu Bakr, il y a eu en réalité des conquêtes, mais ces conquêtes-là ont été très peu. Très peu. Qillatul futuh. Ça n'a pas été comme du temps de Omar. Et pourquoi cela? Tout simplement parce que la période, on l'a vu, 2 ans et quelques mois, durant cette période-là, elle était courte. Et il y a eu, bien entendu, des crises intérieures, comme on a vu ceux qui ont apostasé, donc, qui n'ont pas voulu payer la zakat, etc. Donc, Abu Bakr, il était occupé à régler donc ces problèmes-là. Et donc, durant ce temps-là, il n'a pas eu, comme il est advenu ensuite, toutes les conquêtes de l'islam. Il n'y a pas eu donc l'élargissement des terres musulmanes, comme cela est apparu et advenu du temps de Omar. Mais cela, comme il nous dit le Shir, c'est-à-dire donc que la cause, c'est tout simplement le temps très restreint qu'il a eu durant donc cette période, la période de son califat. Donc, فَمَعْنَا الْمَغْفِرَةٌ لَهُ, c'est-à-dire donc, qu'est-ce que veut dire ici la signification que le prophète sallallahu alayhi wa sallam yaqul, c'est-à-dire qu'Allah azawajal lui pardonne donc cette barf, cette ici, donc cette faiblesse qui est apparue, du fait qu'il n'y a pas eu toute cette futuhat, c'est tout simplement la raf'ul malama, c'est-à-dire que tout simplement il va ici être dissipé tout blâme que l'on aurait pu faire à Abu Bakr. Également, il va nous dire Ibn Hajar يغفر الله له إشارة إلى أن ضعفه المراد به الرفق غير قادح فيه وأن المراد بالضعف ما وقع في أيام من أمر ردة واختلاف الكلمة إلى أن اجتمع ذلك في آخر أيامه وتكمل في زمن عمر وإليه الإشارة بالقوة. C'est-à-dire également, il va nous dire, pour bien comprendre ce hadith, Ibn Hajar, il va nous dire également ici que الضعف ici بمعنى الرفق, c'est-à-dire la faiblesse, bimarna ici arrif, c'est-à-dire donc douceur, même, c'est-à-dire donc la douceur. La douceur, c'est comme ça qu'il nous l'explique. Al muradu bihi arrif. Ghayrun qadihin fi. Donc ce n'est pas quelque chose qui est blâmable par rapport à Abu Bakr. Ou al murad, également, donc il va nous dire, ou alors al murad, et on sait que, comme il l'a expliqué auparavant, c'est qu'il y a eu des irtilaf, c'est-à-dire il y a eu des divergences du temps de Abu Bakr par rapport à ce qui est arrivé avec les gens qui ont apostasé. Ahlu ridda. Taïb, jusqu'à donc que Abu Bakr donc a réuni la parole des musulmans, kalimat al-muslimin, fi akhir ayamihi, c'est-à-dire à la fin de ces jours-là. Et donc, bien entendu, c'était également ici une faiblesse qui est apparue donc. Mais bien entendu, ça qui revient au qadar min Allah azawajal, c'est-à-dire à ce que Allah azawajal a prédestiné comme fitan, taïb, et ce qui a en réalité freiné les conquêtes musulmanes, comme nous l'a expliqué auparavant. Par contre, du temps de Omar, une fois donc que la parole des musulmans a été réunie, il y a eu ensuite donc la force, la quwwa du temps de Omar lorsqu'il a fait beaucoup de conquêtes. Il y a eu beaucoup de conquêtes qui sont advenues durant donc son règne, durant donc son califat. C'est comme ça donc que nous l'ont expliqué les savants pour ce qui est donc de l'explication de ce hadith, qui est en réalité un songe du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a cité et qui nous prouve donc qu'il y a bel et bien eu le califat de Abu Bakr ou Omar, et que cela a été légitime d'après donc ce songe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comme nous l'expliquaient les gens de la sunna. Ensuite donc il va nous dire rahmatullah alayhi à la prochaine question, et ça bien entendu ça va être de façon beaucoup plus détaillée lorsqu'il nous dit mad dalilu ala khilafati Abu Bakr wa taqaddumihi fiha, c'est-à-dire donc quelle est donc la preuve ici du calife de Abu Bakr. Quelle est donc la preuve de cela? Et du fait qu'il en avait la préséance. On sait qu'Abu Bakr, c'est lui qui a eu le premier calife, et qu'il a eu la préséance sur tous les autres sahaba. Ici, il faut savoir que les gens de la sunna, comme nous l'a rapporté Ibn Abil Izz, Al-Hanafi, rahimahullah ta'ala, il nous rappelle que les gens de la sunna ont divergé par rapport au khalifa, par rapport donc au califat d'Abu Bakr. Est-ce que cela a été bin nas? Est-ce que cela a été en réalité par un texte
du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou est-ce que cela a été bil-ikhtiyar, c'est-à-dire par le choix donc de ceux qui sont devenus après le prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi les sahaba qui ont donc choisi Abu Bakr, ou alors est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nassa, c'est-à-dire qu'il a bel et bien indiqué que Abu Bakr ce sera le calife après lui. Tayyib, parmi bien entendu les preuves, on pourrait citer la preuve qu'on a citée auparavant pour ce qui est de Nas. Il faut savoir donc que ceux qui ont dit bin Nas, c'est une jama'a min ahli al-hadith, donc un grand groupe parmi les gens du hadith, et c'est la parole de Al-Hassan al-Basri. Et parmi eux, ceux qui ont dit que c'est un Nas, ce qu'on appelle khafi ou ishara, ou ceux qui ont dit un Nas jali, c'est-à-dire donc un texte qui va être en réalité dissimulé, c'est-à-dire que l'on ne va pas comprendre de manière directe, mais qui est en réalité tout simplement un signe, une ishara qui va être faite donc au khilafa d'Abu Bakr. Et d'autres qui ont dit non, c'est un nas qui est jali, c'est-à-dire qui est plus qu'apparent et qui est plus qu'évident quant à la compréhension. Tayyib. Et ceux qui ont dit bil-ikhtiyar, c'est également un groupe parmi les gens du hadith, et c'était le choix parmi bien entendu ici les gens de l'innovation, al-ashaira ou al-mu'tazila. Tayyib. À la kulli hal, on va voir que les preuves que va nous citer le shir sont évidentes pour dire qu'en réalité le calife d'Abu Bakr a bien été bin Nas, c'est-à-dire par un texte et par donc ici un signe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué, donc une indication du prophète. Mais les preuves, on va tout simplement les citer à travers ce que va nous citer le shir dans cette réponse. Il va nous dire al-adillatu ala dhalika la tursa, c'est-à-dire les preaves elles sont plus qu'innombrables. Minha ma taqaddama, parmi celles bien entendu celles qu'il a déjà citées auparavant. Wa minha ma fi sahih al-Bukhari wa Muslim. Et parmi ces preuves qu'il va nous citer le shir, ce qu'il y a auprès de l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Anna imra'atan atat an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa amara an tarji'. Donc cette preuve là, c'est la suivante, c'est ce qu'il va nous citer. C'est qu'une femme, elle est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tayyib. فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ, c'est-à-dire que le prophète sallam lui a ordonné de revenir à cette femme-là. Et qu'est-ce qu'il va dire ici le prophète sallam? فَقَالَتْ أَرَأَيْتَ إِنْ جِئْتُ وَلَمْ أَجِدْكَ كَأَنَّهَا تَقُولُ الْمَوْتُ, c'est-à-dire donc qu'est-ce qu'elle va dire la femme? Elle va dire vois-tu, si je reviens et que je ne te trouve pas, donc elle fait allusion donc à la mort du prophète. Si le prophète sallam meurt, qui sait donc qu'elle va trouver, qui va être à la place du prophète sallam, donc comme ici comme étant la personne qui va être à sa place, donc le calife. Faqala sallallahu alayhi wa sallam illam tajidini fa'ati Abu Bakr, donc si tu ne me trouves pas, alors rentre-toi chez Abu Bakr, où tu trouveras Abu Bakr. Donc ici c'est en réalité une preuve au moment où wajal istidlal, c'est dans cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou arfan c'est dans cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam illam tajidini fa'ati Abu Bakr, c'est-à-dire si tu ne me trouves pas, rends-toi chez Abu Bakr. Oma wa wajul istidlal, tout simplement que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est mort, il ne fait plus partie donc de ce monde, celui qui sera à sa place là et celui donc qui va le remplacer, et non bien entendu ici le calife du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sera qui? Ce sera donc Abu Bakr, parce qu'il a dit à cette femme de revenir à qui? À Abu Bakr. Donc ici les gens de la sunna du consensus, ils en ont déduit de façon claire ici que c'est bel et bien une preuve que celui qui sera donc le calife après le prophète sallam sera Abu Bakr. Et donc d'après cette parole du prophète sallam, donc c'est bien ici un nas, c'est bien ici donc un texte. Tayyib. Il nous dit wa minha ma fi sahih Muslim an Aisha radhiyallahu anha. Et donc un autre hadith, un hadith de Aisha, se trouve dans l'authentique de l'imam Muslim. Qalat qala li rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi maradihi. C'est-à-dire lorsque le prophète sallam il est tombé malade, c'était donc la maladie de sa mort. Sallallahu alayhi wa sallam, il a dit donc à Aïcha cette parole-là: Ud'i li abak wa akhak hatta aktuba kitaban fa in yakhafu an yatamanna mutamannin wa yaqula qailun ana awla wa ya'ba Allahu wal mu'minun illa Abu Bakr. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: appelle-moi ton père et ton frère, donc Abu Bakr et son frère Abdurrahman, pour que j'écrive une lettre, car j'ai peur que quelqu'un convoite, et donc ici, quelqu'un convoite quoi? Bien entendu, le califat après moi. Ce qu'on va comprendre ici, un etamanna mutamannin, c'est-à-dire le califat après lui. Et disent, j'en suis plus digne. C'est-à-dire, voyakoulou, qailoun, que cette personne donc dise, ana aoula, j'en suis plus digne. Donc de quoi? De ce calife. Alors qu'Allah
Et regardez donc, هذا هو الشاهد ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. Alors qu'Allah et les croyants n'acceptent qu'Abu Bakr. Donc ici, cette parole elle est plus que claire également. Donc un texte, un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui va donc ici nous enseigner que Abu Bakr, ce sera lui qui sera le calife après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que c'est bel et bien ici une indication du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une indication qui est plus que wadih, qui est plus que donc claire, pour dire que ce sera Abu Bakr qui sera le plus digne, et que alors qu'Allah, comme on voit ici, وَيَعْبَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُوا إِلَّا أَبُو بَكَرَ, alors qu'Allah et les croyants n'acceptent qu'Abu Bakr. Donc ici, حَصْرَ فِي أَبُو بَكَرَ, c'est donc ici une exception unique qui va être faite pour Abu Bakr, et que c'est celui qui sera digne donc du califat. Donc ici deux preuves, ces deux preuves de la sunna, premier hadith muttafaqun alayh, et le deuxième hadith rapporté par l'imam muslim, ces deux hadiths nous prouvent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bel et bien cité et indiqué que celui qui viendra à sa place et donc le calife, ce sera donc Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu. Et il nous dit wa kadha qala sallallahu alayhi wa sallam fi taqdimi fi salat fi marad mawti sallallahu alayhi wa sallam. De même, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme cela est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam muslim muttafaqun alayh, lorsque c'est Abu Bakr qui a pris donc la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour donc présider la prière durant la maladie du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a entraîné sa mort. Donc ici également c'est une preuve que celui qui a pris la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, c'est bel et bien Abu Bakr qui l'a pris du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc ici également une preuve par rapport donc à l'acte. Il y a eu les preuves auparavant par rapport aux paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et également ici une preuve par rapport à l'acte. Et il nous dit واجمع على بيعته جميع اصحاب رسول الله من المهاجرين والانصاري فمن بعدهم. Et il nous dit également qu'il y a donc consensus, ils ont donc été unanimes pour prêter allégeance à Abu Bakr, et ceci donc tous les sahaba min al-muhajirin wal ansar, que ce soit donc les immigrés et les ansar, فمن بعدهم, donc tous sont d'accord et tous ont été unanimes pour dire que c'était Abu Bakr qui prenait donc le calife et qui était donc le plus en droit, et que ce calife-là revenait donc de droit. Ça donc c'est pour Abu Bakr. Ensuite donc la question qui va venir après, de façon logique et dans l'ordre, c'est cette question suivante. Mad dalil wa ala taqdim Omar fil khilafati ba'd Abu Bakr. C'est tout simplement qu'il a la preuve de la légitimité, ou la, quelle est la preuve donc de la présence de Omar quant au califat après Abu Bakr, donc celui qui était le plus en droit pour ce qui était d'être investi du califat après bien entendu la mort de Abu Bakr. Il va donc nous donner également ici des preuves, le shir, et il va nous dire adillatu kathira, c'est-à-dire donc les preuves elles sont nombreuses, minha ma taqaddama, également ce qui a précédé, ou minha qawluhu sallallahu alayhi wa sallam inni la adri إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا باللذين من بعدي وأشار إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. Donc également ici une preuve pour ce qui est donc du califat d'Abu Bakr, mais également ici de Omar, en cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapportée par l'imam Ahmed et également l'imam Tirmidhi et qui est authentifiée par Cheikh Al-Albani rahmatullah alayhi. Je ne sais pas combien de temps il me reste parmi vous, suivez donc l'exemple des deux qui viendront après moi. Et il fit signe vers Abu Bakr et Omar. Donc également ça c'est une preuve. Il nous dit également le shir. وَمِنْهَا مَا فِي الْحَدِيثِ فِي حَدِيثِ الْفِتْنَةِ الَّتِي تَمُوجُ كَمُوجِ الْبَحْرِ قَالَ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِعُمَرَ إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا قَالَ أَيُفْتَحْ أَوْ يُكْسَرْ قَالَ بَلْ يُكْسَرْ قَالَ عُمَرُ إِذًا لَا يُغْلَقُ فكان الباب عمر وكسره قتله فلم يرفع بعض السيف بين الأمة وقد أجمعت الأمة على تقدمه في الخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنهما. Donc également cette preuve qui va nous donner, c'est bel et bien une preuve ici dans ce hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, lorsque Hudhayfa, dans le hadith de la fitna, hadith donc qui va nous rapporter la fitna qui va advenir donc ensuite, il va nous dire donc ici Hudhayfa, parce que Omar va lui poser donc la question
Et lorsqu'il a fait allusion, Hudhayfa, donc, à cette porte qui était fermée, et que cette porte, lorsqu'elle va s'ouvrir, est-ce que cette porte, elle va s'ouvrir ou elle va se casser? Et Hudhayfa de lui dire et de lui informer qu'elle se cassera, donc, cette porte-là. Taïb. Et donc, lorsqu'elle se cassera, cette porte-là, ça veut dire qu'elle se refermera jamais. Et donc, ici, ce qui était, ou l'allusion qui était faite par la porte, c'était Omar. C'était donc Omar. Et le fait qu'elle soit cassée, c'était donc sa mort. Et lorsque Omar il est mort, c'est une fitna. La fitna qui est devenue donc ensuite, elle ne s'est jamais éteinte. Et il y a eu donc le qatl dans cette communauté. Et donc il y a eu donc, Wallah al-Musta'an, al-fitan. Et la guerre à l'intérieur donc de la communauté. Iyadan billah. C'est pour ça donc qu'il nous dit qu'ensuite, l'épée n'a plus cessé au sein donc de la communauté. Il nous rappelle donc ici. Dans ce hadith qui est rapporté, bien entendu, qui est un long hadith, qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, également l'imam muslim, un hadith, Hudhayfa. Donc, également ici, c'est bel et bien une preuve que Omar deviendra donc le calife, et que Omar sera donc tué. Et lorsqu'il sera tué, donc, la fitna va advenir, et le qatl, c'est-à-dire donc, la guerre dans cette communauté va apparaître, et ne cessera. Ayadan billah. On sait ce qu'il est ensuite advenu du temps de Uthman, ce qu'il est advenu également du temps de Ali, et ensuite. Ça donc c'est pour les preuves. Ensuite pour ce qui est donc de Uthman, il dit "Ma dalilu ala taqdim Uthman ba'dahuma fil khilafa." Donc quelle est donc la preuve ici de la présence de Uthman après eux quant au califa? Et va nous dire le cheikh "Al-adillatu ala dhalika kathira" également. "Minha ma taqaddama", ce qui est donc précédé. Et il va nous rapporter également un hadith. Donc ce hadith qui est rapporté par l'imam al-Tirmidhi et qui est un hadith authentique, authentifié par Cheikh Al-Albani. قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها. C'est-à-dire que le prophète صلى الله عليه وسلم va nous rappeler une dissension, nous l'expliquer cette fitna. فمر رجل مقنع راسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يومئذ على الهدى. C'est-à-dire donc qu'un homme à la tête couverte est passé et le messager صلى الله عليه وسلم a dit donc le prophète صلى الله عليه وسلم a dit هذا يوم إذن على الهدى. Ce jour-là, celui-ci sera sur la voie, sur la bonne voie. Et ensuite, je me levai, je pris Uthman par le bras et fis face à l'envoyé d'Allah. Je lui dis, celui-ci, donc, فأخذتُ بضبعي عثمان ثم استقبلتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلتُ هذا قال هذا. C'est-à-dire donc que la personne à qui il faisait allusion, le prophète صلى الله عليه وسلم, par cette parole, هذا يوم إذن على الهدى. Donc le jour il va avoir la fitna. Et la fitna, la grande fitna qui est arrivée du temps de Uthman, ayadan billah, c'est une grande fitna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'il y aura une personne qui sera sur la bonne voie. Hadha yawma idina ala al-huda. Et qu'est-ce qu'il a fait donc Ka'b ibn Ujra, il a tout simplement pris le bras de Uthman et il s'est mis face au prophète sallallahu alayhi wa sallam avec lui. Et il lui a donc dit celui-ci, donc en indiquant Uthman, radiyallahu ta'ala anhu, il répondit sur celui-ci. C'est-à-dire, non, c'est bel et bien cet homme. Donc c'est un hadith qui est rapporté par Tirmidhi, également l'imam Ibn Majah, rahimahumullah. Un autre hadith également, qui va nous prouver la légitimité et la présence du califat de Uthman sur les autres, c'est cette parole qui est rapportée par Aïcha, radiyallahu ta'ala anha. Et qui est un hadith également rapporté par l'imam Tirmidhi, et authentifié par l'Albani rahmatullah alayhi wa ala al-jami'a. Qala sallallahu alayhi wa sallam. Donc cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam que nous rapporte Aïcha. Ya Uthman, in wallaka Allahu hadha al-amr yawman fa aradaka al-munafiquna an takhla'a qamisaka alladhi qammasaka Allahu fala takhla'a. Yaqulu dhalika thalath marrat. Ya Uthman, in wallaka Allahu hadha al-amr yawman fa aradaka المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمسك الله فلا تخلع يقول ذلك ثلاث مرات عثمان. Si Allah te confie un jour cette affaire, c'est-à-dire donc ici le califa, bien entendu, هذا الأمر, c'est-à-dire أمر الدين, c'est-à-dire donc le califa, et que les hypocrites veulent que tu enlèves la chemise qu'Allah aura mise sur toi, et donc cette chemise, comme nous expliqué les savants, pour exprimer le califa, et que les hypocrites veulent que tu enlèves la chemise qu'Allah aura mise sur toi, ne l'enlève pas. Il lui dit donc cela trois fois. Alors donc, n'enlève fala takhla'u, c'est-à-dire cette khamis. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, non seulement il nous rapporte ce qui va advenir, mais il nous prouve ici que c'est bien et bien
un jour que Othman deviendra donc le calife. Et cette fitna qui arrivait du temps de Othman, et que Othman, radiallahu ta'ala anhu, n'a jamais donc délaissé le califat jusqu'à qu'il fût, radiallahu ta'ala anhu, assassiné. Et il nous dit le shir également, وَأَجْمَعَ عَلَى بَيْعَةِ أَهْلُ الشُّورَى ثُمَّ سَائِرُ الصَّحَابَةِ وَأَوْلَ مَنْ بَايَعُوا عَلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعْدَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ثُمَّ النَّاسَ بَعْدَهُ. Également donc ici, pour ce qui est donc de Othman. Qu'est-ce qui s'est passé exactement du temps de Othman? Donc pour expliquer ce que veut nous dire le shir par cela, lorsqu'il nous dit « Ahlu Shura », il faut savoir que dans un premier temps, lorsque Abu Bakr est mort, il y a eu donc ce qu'on appelle l'istikhlaf. Al-istikhlaf, c'est-à-dire qu'Abu Bakr a donné directement et a désigné Omar comme étant le calife. Taïb, ça c'est de Abu Bakr jusqu'à Omar. Ensuite, de Omar jusqu'à Othman, qu'est-ce qu'a fait Othman lorsqu'il a été bien entendu tué? Lorsqu'il a été assassiné, Omar, radiallahu ta'ala, anhu, sa blessure qui va donc l'entraîner à la mort, qu'est-ce qu'il a fait lui, Omar? Il a tout simplement désigné un groupe de sahaba et il leur a dit donc de se consulter pour désigner le calife. C'est ce qui s'est passé pour Omar. Taïb, donc de Abu Bakr jusqu'à Omar, Abu Bakr directement a désigné Omar. Par contre, Omar, lui, il a désigné des gens parmi les Sahaba qui vont, eux, ici, donc, faire acte de consultation entre eux pour désigner qui? Le calife. Taïb. Et comme on va le voir, Adam in Turuq in Iqad al-Khilafa. Donc, ici, il a désigné 6 personnes, Omar. Parmi ces personnes, Ali, wa Uthman, wa Zubayr, wa Sa'ab, wa Talha, wa Abdurrahman ibn Auf. Taïb. Il a cité donc ces 6 personnes pour donc qu'il désigne la personne qui va être le plus apte au califat. Et il faut savoir que ensuite l'affaire a été confiée en dernier lieu à Abdurrahman ibn Auf. C'est pour ça donc c'est ce qu'il nous rappelle. Et Abdurrahman ibn Auf, ça va être donc le premier à avoir désigné Othman. Et ensuite, après Othman, c'est Ali, comme il nous dit, qui les ont suivis. Et ensuite, donc, les 4 autres. Et ensuite, donc, tous les Sahaba. Donc, c'est ce qui s'est passé pour ce qui est de Othman. C'est de cette manière que Othman, donc, a pris, donc, le califat en droit. Et on a vu, donc, les preuves de la Sunna par rapport à sa présence. Les preuves prises de la Sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, pour ce qui est donc du dernier, qui est Ali radiallahu ta'ala anhu, yaqul, donc il nous dit qu'il est la preuve de la légitimité du califat de Ali, qui était donc le plus en droit après eux. Il nous dit le shiradillatu dhalika kathira minha ma taqaddama wa minha qawlu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc également ce qui a précédé. Et parmi donc ces preuves qu'il va nous citer, également donc cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui va être également ici une preuve et une indication que Ali va bel et bien être le califat des musulmans un jour, et que donc il va venir donc ensuite après Othman. Cette parole, ça va être la suivante. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans cette parole, et c'est donc un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, également l'imam muslim, muttafaqun alayh, yaqul, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa yha amma taqtulu al-fi'atul baghiya yad'uhum ila al-jannati wa yad'unahu ila al-nar. Donc cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ensuite on va voir comment on va la comprendre. Il dit malheur à Ammar, malheur à Ammar, wayha Ammarin taqtulu al-fi'atu al-baghiya, c'est-à-dire le groupe rebelle le tuera. Il les appellera au paradis tandis qu'ils les appelleront à l'enfer. Il, c'est-à-dire Ammar, les appellera au paradis tandis qu'ils l'appelleront lui, Ammar, ils l'appelleront à l'enfer. Donc on voit ici, c'est bien entendu ici l'allusion qui est faite par rapport au conflit qui l'opposa donc à Muawiyah. C'est-à-dire donc, on sait que Ammar, radiallahu ta'ala anhu, il était avec Ali, il a combattu donc auprès de Ali dans cette fitna. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire cette parole-là. Et qu'est-ce qu'on va donc en tirer comme conséquence? C'est ce que va donc nous lire le shir ensuite lorsqu'il dit فَكَانَ مَعَ عَلِي رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَ عَنْهُ, donc il fut donc avec Ali. فَقَتَلُوا أَهْلُ الشَّامِ, et donc les gens du Sham, ils l'ont combattu. وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ, alors que lui, il les appelait bien entendu à la sunna et à al-jama'a, au fait donc de se rassembler. وَطَاعَتُ الْإِمَامَ الْحَقُّ عَلِي بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
Et bien entendu, il les appelait à suivre l'imam, c'est-à-dire ici l'imam al-Haq, l'imam donc de la vérité qui était à ce moment-là Ali ibn Abi Talib, qui était donc le calife à juste droit, radiallahu anhu. Wal hadith fi sahih. Et ce hadith, bien entendu, est fi sahih. C'est muttafaqun alayh. Wa fihi qala sallallahu alayhi wa sallam. Et également, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à partir de cela, il a dit cette parole, et qui est un hadith rapporté par l'imam muslim dans son authentique, min hadith Abi Sa'id, radiallahu ta'ala anhu. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, تمرق مارقة على حين فرقة من الناس يقتلهم أولى الطائفتين بالحق. C'est-à-dire donc des insurgés s'insurgeront lors d'une division entre les gens. Celui des deux groupes qui sera le plus en droit les tuera. Celui des deux groupes qui sera le plus en droit les tuera. C'est pour ça qu'il va nous dire donc, nous expliquer ce hadith, il va nous dire donc le shir. فمارقة الخوارج فقتلهم علي رضي الله عنه يوم النهر وان C'est-à-dire donc qu'il va nous dire le shir, il fait allusion ici au prophète Sam au khawarij, tamruqu mariqatun ala hayn furqatin min an-nas, des insurgés s'insurgeront lors d'une division entre les gens, et ce sont bien entendu ici les khawarij qui vont donc s'insurger lorsqu'il y aura donc la division entre les sahaba. يقتلهم أول الطائفتين بالحق. Celui des deux groupes qui sera le plus en droit les tuera. Celui des deux groupes qui sera donc le plus en droit les tuera. Et bien entendu, on sait que Ali va combattre Al-Khawarij, comme cela est arrivé durant la bataille de Nahrawan, donc cette contrée où il a combattu Ali les Khawarij. Et on voit bien que dans le hadith, يقتلهم donc Al-Khawarij. C'est-à-dire, le groupe qui sera le plus en droit les tuera. Et bien entendu, le groupe ici, c'est le groupe de Ali, qui tuera ici donc les Khawarij. Donc c'est bel et bien une preuve ici également que Ali, radiallahu ta'ala anhu, il était le plus en droit donc par rapport au khilaf, par rapport donc au califat. C'était lui qui était le plus en droit par rapport à tous les autres sahaba. Ça, hada wal haq. Cela donc est la réalité. Et ceci est la preuve de ce que l'on avance, ce que nous a cité le shir rahmatullah alayh, d'après ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est plus qu'évident pour nous faire comprendre que ceux qui vont combattre donc al-Khawarij, ce seront donc le groupe de Ali, ceux donc qui ont suivi Ali et qui ont donc suivi le calife, celui qui était donc désigné comme le calife et qui était donc al-Haq, qui était donc sur la vérité. Et il nous dit donc le shir qu'il était donc le plus en droit à l'unanimité de tous les gens de la sunna, comme cela a été le cas pour les trois autres qui ont précédé. Ça donc, c'est pour ce qui est des quatre califes et les preuves de leur califat, prises donc de la sunna. Et également ensuite, on a vu qu'il y avait à chaque fois ijma' al-muslimin, al-sunna, qu'il y avait donc le consensus des gens de la sunna, des gens de la sunna et du consensus. Et par là donc, on va terminer ce chapitre qui concerne donc al-sahaba. C'est vrai qu'al-sahaba, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à l'histoire, par rapport à ce qui est devenu, etc. Mais bien entendu, on reste nous par rapport au domaine de la croyance. C'est-à-dire, on va rester dans le domaine de la croyance, et plus précisément, tout ce qui est en relation avec les sahaba, par rapport à leur califat et par rapport à leur présence. À la kulli hal, ici se termine donc ce chapitre, pour ce qui est des sahaba, et ensuite donc, on va rentrer dans un autre domaine également, qui touche la croyance, et qui est tout simplement le devoir que l'on doit avoir et ce que l'on doit croire par rapport donc à ceux qui nous dirigent, c'est-à-dire ceux qui détiennent le pouvoir. Et ça, ce sera donc une question du shir qui sera la prochaine question. Il va citer donc les preuves de cela. Et bi idnillahi ta'ala, c'est ce qu'on entamera donc le prochain cours. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.